nouveau rebondissement dans le feuilleton Sitel. Un nouveau repreneur s'est manifesté hier soir alors que le tribunal de commerce de Lyon devait statuer cet après-midi sur le sort de l'entreprise. Il s'agit de l'américain Centro Motors, spécialisé dans les véhicules électriques. Nous pensons que nous allons apporter à Sitel ce qui lui a manqué jusqu'à présent, c'est-à-dire une vraie synergie à la fois dans les achats, la conception de produits, le marketing et également, comme nous sommes intégrés en amont et à l'aval, l'accès à des pièces détachées, j'irai de manière meilleure que ce qu'elle a eu jusqu'à présent, donc au niveau des achats et au niveau de la distribution également, j'irai plus d'efficacité dans ce réseau de distribution. Car l'entreprise américaine, qui compte 5000 employés à travers le monde, n'est pas encore implantée en France et pourrait saisir l'opportunité Sitel pour se développer. Mais les syndicats restent sur leur garde car aucune garantie concernant les emplois n'a pour le moment été donnée. Ça va être très difficile et on a fait la demande officielle de rencontrer tous les candidats repreneurs afin de leur exposer nos demandes et en particulier de sauver les 400 emplois. L'audience devant le tribunal de commerce a donc été reportée au 6 juin prochain. Une montée de l'État au capital, c'est ce qu'ont réclamé les syndicats d'Alstom au ministre de l'Économie Arnaud Montebourg hier soir lors d'une rencontre à Paris. Le groupe français envisage de céder sa branche énergie à l'américain General Electric ou à l'allemand Siemens. Loin d'être convaincu par les deux offres, les salariés sont inquiets. À Villeurbanne et Saint-Priest, plus de 1500 personnes travaillent pour Alstom. Il y a un grand discours de l'État, et notamment du président au moment de sa campagne, qui disait qu'il fallait sauver l'industrie française ou aider l'industrie française. Donc je pense qu'il faut que l'État monte un projet, qui ne soit pas un projet de nos concurrents, mais un projet français qui permette de garantir, de garder le groupe dans sa totalité et de lui assurer une pérennité. Les principales personnalités centristes en meeting à Lyon ce soir. François Bayrou, Yves Jégo ou encore Fabienne Lévy seront là pour lancer la campagne des européennes où l'UDI et le Modem font liste commune. A noter la présence remarquée de Ramayad, ancienne ministre de Sarkozy. Elle vient d'annoncer sa candidature à la tête du parti radical en lieu et place de Jean-Louis Borloo. Je suis candidate parce que je veux à la fois défendre la survie de ce parti, mais aussi le faire connaître aux Français parce que nous portons des valeurs très fortes, très françaises, qui ont été quelque peu annexé par d'autres partis, je pense à Marine Le Pen. Des animaux de compagnie pour aider les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de simples troubles de la mémoire. On appelle ça de la zoothérapie. Un EHPAD de Villeurbanne en fait l'expérience depuis quelques semaines. Ça s'adresse à un public plutôt de gens ayant des déficits cognitifs, troubles de la mémoire, maladie d'Alzheimer, mais aussi à des gens qui ont juste des handicaps physiques et qui leur permettent de réaliser des fois des gestes sans s'en rendre compte. Vous avez vu, je vous ai amené un nouveau chien aujourd'hui. C'est sûr. Oui. Ainsi, tous les jeudis, une thérapeute intervient avec des chiens et des cochons d'Inde et propose une série d'activités aux résidents. On travaille sur les couleurs, on travaille sur les proportions des animaux, sur leurs différences, on travaille sur la texture donc du toucher de l'animal. Il y a une dame qui est ici, qui est une dame qui fugue beaucoup. Elle a son petit cobaye, elle s'occupe, elle pense à rien d'autre, elle est là et du coup ça l'apaise énormément. Face au succès de cette expérience, l'EHPAD songe désormais à accueillir un nouveau pensionnaire à quatre pattes. Villeurbanne se complique la tâche en s'inclinant face à Limoges hier soir à l'Astrobal 70 à 73. Les Verts ont raté l'occasion de s'assurer une place en play-off avant la dernière journée. Cette défaite, la cinquième à domicile cette saison, met du même coup une grosse pression aux Villeurbannais avant de se déplacer à Roanne lundi prochain. Pour rebondir, parce qu'on sait que c'est pas fini, et Roanne il faut gagner pour aller en play-off. Et c'est tout. On a juste à gagner le prochain match. On aura un petit peu de pression, mais je pense qu'on a vraiment à cœur d'aller en play-off parce que cette saison a été dure. Et donc après, on sait qu'en play-off, tout est possible de toute façon. Très vite, trop vite derrière, après une première mi-temps catastrophique. L'ASVEL s'est bien reprise après la pause, mais c'était trop tard face à des Limougeaux, troisième au coup d'envoi, mais qui se sont réveillés leaders de proie ce matin en compagnie du Mans et de Strasbourg. Nous, match important, on l'a mal abordé dans l'intensité, dans les décisions, on a voulu tirer trop tôt, on avait comme consigne de jouer un peu plus patiemment, un peu plus longtemps, aller vite devant, mais le contraire de ce qu'on a fait, parce que les matchs importants, on maîtrise pas ce qu'on fait. L'ASVEL reste malgré tout 8e du championnat, mais a grillé un joker. Espérons simplement qu'elle n'ait pas à le regretter dans 5 jours face à des Rouennais déjà condamnés à descendre en Pro B. Like little old
C'est devenu une habitude. Depuis 2011, l'Europe du rugby à 7 se retrouve à Lyon pour l'étape d'ouverture du championnat d'Europe de la discipline qui aura lieu les 7 et 8 juin prochains au Matmut Stadium. L'occasion de découvrir un sport spectaculaire et qui sera présent aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Le fait que ce soit une discipline olympique va naturellement attirer le public parce que tout le monde sait bien l'importance des Jeux Olympiques dans la vie d'un sportif. Il y a 107 pays qui jouent au rugby à 7 et il y a une Coupe du Monde de rugby à 7, il y a des championnats d'Europe de rugby à 7 et puis le rugby à 7 est aux Jeux Olympiques. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le rugby à 7 commence à devenir un jeu joué sur toute la planète. À Lyon, 12 nations seront présentes, vainqueurs des deux dernières éditions et championnes d'Europe en titre. L'Angleterre est cette année encore favorite. La France, le Pays de Galles et la Russie font figure d'outsider.